dans des situations particulièrement difficiles telles que la migration. Les femmes et les enfants donc, vivent des situations qui provoquent de nombreux troubles chez eux, donc d'où la nécessité de ce soutien psychologique pour leur apporter une certaine stabilité émotionnelle à comprendre ce qui les arrive et les aider à faire face et à surmonter surtout certains de ces problèmes. Ce soutien les apporte aussi et leur faire se sentir donc, mieux et aussi avoir à nouveau confiance en eux, une possibilité d'aller de même qu'il est possible de reprendre en main leur vie, de s'intégrer à nouveau dans la société. Il faut comprendre que la santé psychologique est primordiale, comme on me dit. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et dès qu'une personne perd toutes ses facultés mentales et ses capacités de jugement, il n'est plus à mesure d'accomplir quoi que ce soit et éventuellement de prendre des décisions utiles pour sa vie.